Et de retour pour un dernier jeu proto tout public. On va juste recentrer un petit peu le plateau de jeu, voilà, parfait. Bonjour. Bonjour. Et ben je te laisse te présenter dans un premier temps. Oui. Donc écoute, ça va être rapide. Moi je m'appelle Eric et donc je suis je fais des jeux depuis une trentaine d'années, on va dire. Ouais. Enfin, des protos, hein, je parle, bon, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tout le travail de création autour du jeu, ça me passionne. Et voilà, donc régulièrement je fais des festivals. D'accord. Et puis je présente mes créations. Tu as des jeux qui ont déjà été édités ? Pour l'instant, j'ai un jeu. J'ai signé un contrat avec un éditeur sur un jeu, ouais. Donc j'attends un petit peu pour l'instant parce qu'il n'est pas encore édité. D'accord. Donc, Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous présenter là maintenant ? Alors là, je vais vous présenter un jeu sur lequel je travaille depuis. Ça fait 2 ans. Mais au début, il n'était pas du tout comme ça. Il a changé il y a 6 mois. Mm-hmm. À la suite en fait la découverte de cette photo d'une, je sais pas si on voit là, juste là, voilà, en fait c'est je me suis dit tiens, j'avais un jeu sur les papillons sur ce thème là, mais bon, il n'y avait pas vraiment de thème particulier, et puis bon, c'était un jeu surtout mécanique, et je me suis dit tiens, mais pourquoi pas aller créer le jeu autour de cette image là. D'accord. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte que le thème et que la mécanique correspondent un petit peu à ce que j'ai imaginé en regardant cette image. Ok. Donc, pour le coup, dans ce jeu, on est les joueurs, entre 2 et 5 joueurs, sont des personnes qui travaillent, des scientifiques qui travaillent dans une serre, un papillon. Et puis, ils adorent les papillons et dans cette serre, ils se sentent enfermés, prisonniers. Donc, ils rêvent de s'envoler et de s'évader de la serre. D'accord. Ils imaginent ça donc à travers une montgolfière qu'ils veulent fabriquer et qui serait en fait tirée par les papillons. Donc ils décident de construire une montgolfière, mais pour attirer les papillons, ils vont d'abord mettre des fleurs sur la montgolfière et ensuite ils vont faire en sorte que les papillons aillent sur ces fleurs pour pouvoir décoller. D'accord. Et donc ça se traduit en termes de jeu, à chaque fois qu'on arrive à faire venir un papillon sur une fleur, on augmente le curseur. Et quand le curseur arrive ici, on retourne. Et du coup, apparaît l'autre face de la montgolfière. Et lorsque les 4 bandes sont retournées, la montgolfière est terminée. Le premier joueur qui y parvient gagne la partie. D'accord. C'est très poétique comme jeu. Oui, c'est très poétique. Et du coup, voilà. Donc là, on démarre ici parce que comme c'est un jeu familial aussi, et que quelqu'un qui a déjà fait 2-3 parties a quand même un avantage sur quelqu'un qui débute parce que bon, on comprend, on voit beaucoup plus les choses. On peut descendre, pour se challenger un petit peu plus, on peut descendre les curseurs plus bas. D'accord. Alors que d'autres joueurs pourraient rester à ce niveau-là, voire... On peut donner un handicap aux joueurs qui connaissent un peu le jeu. Ça permet de jauger un petit peu le jeu. Voilà, donc, une fois que ceci est expliqué, comment on fait pour récupérer des papillons. Les papillons et surtout les fleurs. On le fait grâce à des papillons qui se trouvent dans la serre ici. Et donc cette serre est composée de... Il y a 72 cartes qui sont composées de cartes de ce type-là. C'est-à-dire qu'il y a ici des segments, 4 segments pour le papillon, qui sont de 4 couleurs différentes, donc qui correspondent aux couleurs des dés qui sont ici. À chaque fois, il y en a toujours 2 de présentes et 2 d'ajourées. Et de même, on a autour 2 fleurs à chaque fois. Mais il y en a 4 qui pourraient y être, à chaque fois il y en a 2 qui sont ajourés. Les couleurs n'étant jamais les mêmes, c'est-à-dire qu'ici on n'a jamais les fleurs qui sont de la même couleur que les segments. D'accord. Et le joueur va, pendant la partie, selon des modalités que je vais dire juste après, va récupérer des cartes et va les juxtaposer. Bon ben là, je juxtapose 2. Et du coup, par exemple ici j'ai une fleur qui est ici, qui correspond à un pigment. Oui. Donc du coup ça va me permettre de monter ici, ma fleur verte. Ici j'ai du bleu, donc je vais pouvoir monter le bleu. Et puis j'ai pas de jaune, donc je ne montrerai pas de jaune. Et puis si j'ai rien, mais il ne se passe rien. J'aurais pu aussi en mettre 3, faire ça par exemple. Et pour le coup, j'avais 2 fleurs vertes qui étaient validées. J'aurais aussi ça de 2. Donc on va créer des papillons. Oui. Et en fonction des couleurs de fleurs présentes sur ces papillons-là, on va pouvoir après marquer des points, etc. etc. Exactement, on va pouvoir faire correspondre. Alors. Après, comme ce sont des scientifiques et il faut qu'ils trouvent les papillons qui vont bien avec les fleurs,
ça se fait pas n'importe comment. Donc ils vont pas, quand ils vont pas pouvoir avoir accès à, forcément à tous les papillons qui sont là, parce qu'il y a des combinaisons qui vont devoir être respectées. Ces combinaisons-là, elles sont données par les dés. D'accord. Donc il y a un dé par couleur de pigment, correspondant aux papillons, pas aux fleurs, mais aux papillons. Ouais. Et sur chacun de ces dés, il y a deux motifs, il y a trois motifs, donc une fleur, une montgolfière ici et un papillon. Qui n'ont rien à voir en fait avec les fleurs, c'est simplement des motifs qui font que lorsqu'on lance les dés, alors je vais lancer ça comme ça, oui, voilà. Un jet fictif. Voilà, donc ici par exemple, je vais avoir le même motif sur deux dés, alors qu'ici les motifs sont différents. Ça veut dire qu'à chaque fois que les motifs sont représentés sur des dés, je vais pouvoir apparier ces dés 2 à 2. D'accord. Et par exemple ici, ça veut dire que les papillons qui vont être disponibles sur la serre sont les papillons qui présenteront des pigments jaunes et rouges. Bon, d'accord. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Donc, je relance, etc. Voilà, je fais ça, par exemple, je ne sais pas. Alors, si j'avais ça ici, par exemple, je pourrais apparier des papillons qui sont bleus et verts ou jaunes et rouges. Okay. Donc, bleu et vert, bleu et vert. Bleu et vert, il n'y a pas, jaune et rouge. Non, c'est, donc, quand il n'y a pas, on relance. Hein, c'est oui, ça. Oui. Peut-être qu'il y a ici, voilà. Vert et rouge ici. Vert et rouge. Donc, ça veut dire que je pourrais prendre ce papillon-là ou celui-ci. Ici. Par contre, je ne pourrais pas prendre les deux autres. Oui. Bon, si j'ai ça, bon, si j'ai ça, ça veut dire que je peux apparier ces trois couleurs ensemble, deux à deux, mais pas le bleu. Donc je pourrais prendre tous les papillons, enfin disponibles en tout cas, tous ceux c'est-à-dire qui n'ont pas de bleu. On pourrait prendre à la fois le jaune et le rouge, à la fois le jaune et le vert, et à la fois le rouge et le vert. Voilà, exactement. Donc, mais là, pas le bleu. Contre, oui, par deux. Ouais. On choisit comment on les appaire et ensuite on prend le papillon. Exactement. Alors. Les modalités de jeu, enfin, les modalités pour aller chercher les papillons une fois qu'on a cette combinaison qui est déterminée, elles vont se faire de deux façons. En fait, le joueur qui va déterminer la combinaison, à chaque tour, on commence le tour en lançant les dés pour déterminer la combinaison, il va définir si on est sur un mode cool ou si on est sur un mode speed. D'accord. Parce que les scientifiques, voilà, il y a des scientifiques qui sont très speed et puis il y en a d'autres qui préfèrent prendre leur temps. Donc, ça correspond aussi à. Enfin, le souci d'avoir deux modalités de jeu, une lente et une rapide, ça correspond aussi à. Ça permet de, en fait, d'élargir l'intérêt des joueurs autour du jeu. Parce qu'il y en a, en fait, je me suis aperçu, il y en a qui aiment bien jouer sur le mode speed, d'autres qui aiment bien jouer sur le mode lent. Donc, voilà, j'ai trouvé en tout cas que ça permettait de donner un petit peu en plus de variété au jeu et puis que ça permettait de donner envie à des à joueurs de qui ont des différentes façons de concevoir le jeu, de jouer. Donc la première façon, si je lance les dés par exemple, je suis dans la partie speed, dès que je vais avoir lancé les dés, je vais regarder les combinaisons qu'il y a et avec des deux jetons ici, je vais les poser sur les papillons qui correspondent par exemple ici, je vais pouvoir le mettre ici. Donc ça, c'est un jeu simultané. Tous les joueurs font ça en même temps. D'accord. Bon, il y en a qui n'auront rien, ben voilà. Et ceux qui ont quelque chose, donc récupèrent leur jeton et récupèrent la carte. D'accord. Et donc, au fur et à mesure qu'ils vont récupérer des cartes, ils vont ensuite, dans la phase d'après, pouvoir les juxtaposer pour former des papillons et faire avancer ça. D'accord. Et la deuxième façon de jouer, c'est une façon plus cool. Donc ça veut dire, on lance toujours les dés, on annonce donc cool, et à ce moment-là, chacun dispose de 6 petites cartes. De 1 à 6, ouais. D'une valeur de 1 à 6. Secrètement, on choisit une valeur qu'on pose devant nous. Tout le monde retourne simultanément sa carte. Et ensuite, on va jouer dans l'ordre des valeurs, dans le décroissant des valeurs. Avec le petit hic que si les valeurs sont identiques, à ce moment-là, ça annule les valeurs. D'accord. Et donc, on gardera donc toutes les personnes qui ont des valeurs qui peuvent être décroissantes joueront. Et ensuite, celles qui sont. Qui sont égales joueront dans l'ordre horaire à la fin. D'accord. Du jeu. Et du coup, là, on joue, chacun son tour, on prend des cartes. Autant d'ailleurs, on en prend une par tour, mais il peut y avoir plusieurs tours. Ouais. Alors à deux joueurs, c'est un peu moins, mais à cinq joueurs, par exemple, ou quatre joueurs, déjà, on peut ça faire donne, plusieurs ça tours. Ça donne de l'intérêt à jouer. Ça donne, voilà, voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai. On va faire deux, trois petits tours de test, ouais. Si ça te convient. Bien sûr. Ouais. Et ben, je t'en prie. Bon, alors, je vais commencer par le mode tranquille. Ouais, tranquille. Ça marche, on commence tranquille. Voilà. Donc là, c'est moi qui joue. La prochaine fois, ça sera toi qui lancera. Oui, oui, bien sûr. Donc là, bon, il n'y a pas de. C'est jaune et vert. Donc il y a du jaune et vert. Hein. On peut jouer. Donc, hop, comme ça. C'est bon. Okay.
Donc c'est moi qui commence. Oui, en ordre décroissant. Une carte qui est. Enfin, la carte ensuite on la défaussera. Ouais. Il nous en reste plus. D'accord. Plus que 5. Donc moi je vais jouer. Hop. Et ben du coup, moi je vais jouer celui-là. Et je crois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui me correspond. Donc on récupère nos papillons. On récupère nos papillons, on défausse la carte. Bon ça je te le donne ou pas, parce que bon, ça c'est simplement pour indiquer le premier joueur. Oui, d'accord, ok. Est-ce qu'on remplit la serre? Oui, tout à fait. Une fois que c'est fini, on complète. Donc là, nouveau jet de dés. Voilà. Ah par contre, il faut que tu dises avant si tu joues speed ou si tu joues cool. Ah non, on va jouer cool. On va jouer d'accord, cool. Tu joues cool, ça marche. On va jouer cool. Donc là, on peut les appairer. Tout est possible. Comme on veut. Tout est possible. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça booste bien, ça. Ouais. Bon, du coup, hop. Il n'y a pas trop de challenge là-dessus, donc moi je vais pas. Ok, ça marche. Du coup, et ben. Alors faut bien avoir remarqué dans le jeu, tout à l'heure quand je disais que les fleurs n'étaient jamais de la même couleur que les, oui, que les pigments, ça a son importance parce que si on collectionne des papillons avec les mêmes pigments, on pourra jamais valider les fleurs. Oui. Oui, oui, oui. Là il faudrait un papillon bleu rouge. Enfin avec des fleurs bleu rouge. Donc les ailes vert jaune. Vert jaune, je vais commencer par me placer ici. Alors, oui, quand on joue, on a joué comment tout à l'heure? On a joué en mode. On a fait deux tours cool. Oui. En fait, bon, tu peux prendre ça, mais en mode cool, on n'a pas besoin de ça. On prend la carte simplement. Ah, on la prend juste. Oui. D'accord, ça marche. Je vais te dire ça. Ça, c'est pour le mode speed, parce qu'on a que, on peut en prendre que deux là. On va pouvoir en prendre plusieurs, donc en fait, on s'en. J'ai fait exactement l'inverse que ce que je voulais, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça, c'est typique des débutants. Les débutants, oui, c'est. Ouais. Et même pas des débutants parce que moi je l'ai fait aussi. Donc moi par exemple je vais essayer de chercher à compléter ici. Ouais. Mais pas avec des fleurs qui correspondraient. Oui. Donc est-ce que j'ai ça par exemple qui pourrait fonctionner. J'ai des fleurs jaunes qui pourraient marcher. Ça ne fait pas beaucoup. Là ça me ferait des fleurs vertes et rouges mes urbains. Bon je vais prendre ça pour l'instant. Très bien. Parce que si je les positionne comme ça. Ouais. J'ai du jaune qui est validé et du rouge qui est validé pour l'instant. Donc là, je pourrais très bien. Bon, parce qu'on va d'abord finir de récupérer nos cartes, mais là, par exemple, j'ai déjà un papillon qui est fait. Même si je ne valide pas toutes mes fleurs, j'ai au moins une fleur rouge de validée et une fleur jaune. Ouais. Mais je vais essayer de faire mieux. Donc là, moi, c'est pareil. Donc je vais montrer la caméra. Et là, je peux fusionner les deux. Et donc, en fonction de comment on associe les cartes, on n'a pas les mêmes fleurs d'accessible. Oui. Et du coup, au niveau scoring, ça change des choses. Donc moi, par exemple, sur cette fleur-là, j'ai un espace vide ici pour une fleur. Et j'aimerais bien... Arriver à le compléter. À compléter. Mais il faudrait que je trouve du vert, par exemple. Mais du vert, tiens, ben, par exemple, ça, celle-ci pourrait bien aller. Parce que si je la mets en dessous... Je vais avoir un vert qui est validé, un rouge qui est validé et un jaune qui est validé. Bon, c'est pas le top ici, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mm. On peut faire plus de tours, du coup, on peut continuer à prendre. Ouais. D'accord. Du coup, moi, je vais prendre celui-ci et compléter mon deuxième papillon. Hop. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que, bon, là, on va ramasser les cartes. On va en avoir un certain nombre. On ne peut pas en garder plus de 3 à la fin de notre tour. Donc soit, d'accord, si on a beaucoup, on a intérêt à faire évidemment des papillons, mais si jamais il nous en restait, il faudrait qu'on défausse le nombre supérieur à 3 et qu'on défausse ici. Ouais. Et ça a son importance parce que ça arrive quand même assez fréquemment que dans un même tour, surtout quand on a 4 ou 5 joueurs, que plusieurs joueurs parviennent à retourner toutes les bandes. Ouais. Et donc ils sont ex aequo. Mmh. Pour les départager, on va compter le nombre de cartes qu'ils ont utilisées pour faire les papillons. Celui qui en aura le moins prendra l'avantage sur les d'accord. autres. D'accord. Donc okay. Il n'y a pas de limite pour faire un papillon, mais moins on fait avec des cartes, mieux ça va. Oui, pas. Mieux c'est. Bon, donc moi je vais quand même en prendre quelques-unes pour tout à l'heure. Je sais pas si. Je vais rester là-dessus et je vais me prendre celui-là. Voilà. De toute façon, on a le choix. Hein. Là, oui, on va toutes les prendre, hein, on a intérêt, hein, de toute façon. Aïe aïe aïe, je vais prendre celui-ci. D'accord, bon voilà, c'est pratiquement les deux mêmes, sauf qu'elles ne sont pas disposées pareilles. Allez, je prends, on verra après ce que je fais avec.
On peut désassembler nos papillons. Ah oui, complètement. Alors là, oui. Tant que tu n'as pas posé ton papillon sur la carte ici d'envol, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, une fois qu'elle est posée, évidemment, Donc moi, par exemple, celle-là, j'ai terminé, je la valide. Et donc, je vais avancer un vert, un jaune et un rouge. Toc. Et celui-ci, je peux rien faire encore avec. Le côté association est vraiment intéressant parce que du coup ça pousse à chercher comment améliorer nos papillons. Oui, parce que en fait il y a quand même pas mal de possibilités. Hein, et selon qu'on la mette devant ou derrière, ça change complètement. Ça change complètement tout. Ouais. Et ça sur trois cartes, ça fait quand même pas mal de combinaisons possibles. Quoi. Ouais. Et donc tu vois, il y avait des gens qui aimaient beaucoup cette phase-là, mais sur la phase speed, ils étaient pas bons entre guillemets, c'est-à-dire que c'était trop. Ils étaient frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre les cartes qu'ils voulaient pour pouvoir faire les combinaisons qu'ils imaginaient. Ouais. Mais en même temps, ça donne un peu de peps au jeu. Donc le fait d'alterner speed, comme on va le faire là, parce que bon, oui. quand même. On va faire un tour speed pour on voir. Va faire un petit tour speed. Ça permet de donner un petit peu de piquant au jeu. Puis bon, voilà, ça oblige aussi à se donner un objectif bien précis et à mieux cibler ce qu'on veut prendre comme carte. Oui. Oh. Du coup là. Moi, je vais valider ce papillon. Donc, ce papillon-là a une fleur verte et deux fois la couleur verte, je score deux verts. Alors, non, parce que c'est, en fait, c'est la fleur qui compte. C'est pas le. Ah, c'est le nombre de fleurs. C'est l'inverse, ouais. Ah, d'accord. Si tu as deux fleurs et que tu as qu'un seul pigment, tu as deux fleurs. Mais si d'accord. tu as deux pigments et une fleur, tu as qu'une fleur. D'accord, ok. Donc, du coup, on va changer le tout ouais, ça. Du coup, tu changes de. Très bien, très bien. Où est-ce que j'ai. Si je peux faire deux boules, c'est bien. Je peux pas faire ça. Ça, je peux le faire. Est-ce que j'ai un bleu à droite? Oui. Donc là, on va montrer. Du coup, j'ai fait un papillon en trois cartes. Donc là, j'ai deux fleurs bleues, un pigment bleu, je score deux bleus. Ouais. Là, tu fais le top parce que tu valides tes quatre fleurs. Donc c'est... Non, t'as pas validé un rouge, pardon. T'as pas le rouge. Je score un jaune parce que j'ai un pigment jaune, une fleur jaune. Oui, non, mais et tu fleurs ta verte. Donc tu as bien validé tes quatre fleurs. Les deux bleus. Ah oui, j'ai validé grâce mes à ça. Fleurs, oui. Les jaunes grâce à ça. Oui. Et la verte grâce à ça. Et la verte grâce à ça. Que t'as un pigment rouge après. Alors là, ce que tu dis, par exemple, tu vois, il y a une petite règle qui permet aussi de challenger un peu plus quand on veut faire un peu plus compliqué, c'est que. À ce moment-là, plutôt que de dire qu'un pigment peut valider plusieurs fleurs, on dit que un pigment valide une fleur. Ce qui voudrait dire que par exemple, pour valider les deux fleurs, il aurait fallu deux pigments bleus. Le pigment bleu, ouais. Alors ça, c'est un petit quelque chose qui pourrait challenger un peu plus. Est-ce qu'une fois qu'on a validé une fleur, on peut continuer de prendre des papillons ou... Alors, en fait, normalement, on prend tous les papillons. Oui, non, mais vas-y, tu peux, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais normalement, on finit toute cette phase-là. Et après, une fois qu'on a fini, on fait ça. Et après, on... Ouais. Mais là, on a été un petit peu... Oui. Parce que là, du coup, je peux valider un deuxième papillon. Ben oui, ben vas-y, hein, t'as gêne pas. Donc là, c'est pour montrer, parce que du coup, j'arrive tout en haut au niveau du jaune, parce que j'ai deux fleurs jaunes. Donc, je retourne ma petite plaquette jaune. Je score un vert et je score un bleu et du coup je valide aussi le bleu. Voilà. Et donc là on voit. Bien vu. On voit ça. Et donc là je te propose de faire un tour en speed. En speed. Mais j'avais bien l'intention. Allez. Donc je vais lancer les dés. Dès que je lance les dés. On peut se dire pourquoi. Ouais. Alors celui qui lance les dés il a un petit désavantage. Ah, ça dépend, mais c'est vrai que je ne oui, peux pas coup, que je lance les dés que je posais. Ils ont leur demain pour pouvoir... Voilà. Alors des fois, il n'y a pas. Hein. Donc, fois, y a pas. Là, mais là, y a, c'est tout sauf bleu, donc ça peut le faire, hein, oui. normalement. Bon, voilà. Et là, je pense qu'on a tout donné. On a tout donné. Ouais. Donc moi, j'en ai trois. Je pense pas que je puisse... Ben non, je peux pas compléter de toute façon mon geste comme ça. Hop. Donc là, on complète. Tu refais speed ? Et on va refaire speed ouais, pour voir. Alors attends, jaune vert et. Pardon, excuse-moi. Et je pense qu'il n'y a pas de vert jaune. Non.
Donc là, on récupère. Oui. C'est ça. Voilà, moi, il va falloir que je fasse quelque chose parce que sinon, je suis obligé de me défausser d'une carte. Et j'ai mal joué parce que tu vois, j'ai pris que des papillons avec la partie basse à jouer. Donc je vais être obligé de me défausser d'une carte. Et c'est bien dommage. Bon, je vais garder celle-là. Alors, on peut aussi ne pas prendre de cartes, hein, si on n'a pas envie, oui. On peut. Oui, on peut complètement choisir. C'est vraiment... On se fait un dernier tour. Oui. C'est à toi de lancer. Allez, on va le faire cool. Cool. On va le faire cool. Donc, vert et bleu, il y en a, c'est bon. Non, c'est rouge et vert, en fait. Ah oh oui, d'accord, j'ai les yeux dans. J'ai pas les yeux en face des trous. Non, mais t'as raison, c'est j'ai cru que tu me disais, les vert et bleu, c'est les couleurs que tu cherchais. J'ai vu vert et bleu. Là, tu vois, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte là pendant le festival, c'est que c'est pas suffisamment distinct les formes. Oui, je vois. Comme c'est un jeu de rapidité, il faut que les motifs soient vraiment prégnants. Et là, tu vois, moi de loin, avec mes lunettes, je vois pas terrible. Ouais. Donc, tu as joué en premier. Je commence. Donc vert et rouge, mais en fait il n'y en a pas. Ah mais il n'y en avait pas, donc attends. Il n'y en a pas, donc du coup on reprend nos billets. On reprend et tu jettes les dés. Et ben là c'est la foire à la saucisse. C'est la fête. Hop. Du coup hop. Allez hop, c'est ça, ça marche. Bon, on alors, s'y attendait donc. Cette fois-ci je vais essayer de jouer un peu plus. Bon, pour moi. Alors toi, du coup, maintenant, t'as bien avancé, mais maintenant, il faut que tu fasses attention parce que t'as plus que des rouges et des verts qui sont intéressants. C'est, donc, c'est ce que j'ai vu. Du coup, là, ça me semble pas mal. Bon, il faut que j'arrive à me trouver quelque chose avec du vert. Je vais prendre ça. Si je prends ça, là ça me semble pas mal. Alors ici. Du jaune, il faudrait du vert ici. J'ai pas de bleu, mais bon. Qu'est-ce qu'on... Ah, j'ai pas vraiment des bons... J'ai pas vraiment des bons, très bons choix. Puisque là, ils sont tous, ils bloquent tous la même chose. Du coup, je vais prendre ça. Tu l'as pris celle-là ou c'est... Donc il reste celle-là. Que celle-là. De toute façon, je vais la prendre. Hein. Voilà. Donc moi, j'ai un petit papillon ici avec deux verts, un jaune, un bleu. Ok. Donc deux verts, toc, un jaune, toc, un bleu, toc. Et un autre ici avec un rouge, un vert. Un bleu et un jaune. Pardon, un vert. Qu'est-ce vert que j'ai fait moi? Un vert est déjà en haut, tant pis. Un bleu. Et j'ai dit un jaune, c'est ça? Ouais, il y en a un de chaque couleur. Ok, donc là toi tu en retournes 3 du coup. Du coup je retourne 3 points. Et moi là j'en ai un avec un rouge. Et pas de vert parce que j'ai pas le pigment vert. Et là j'en ai un avec un rouge et un vert. Et donc je retourne mon troisième, etc. etc. Et donc là la partie est quasiment finie. Et voilà, voilà, bah, là je pense qu'au tour d'après on termine tous les deux. Oui. Hein. Et ça donc, serait celui ça serait, il de... voilà, on comptera à ce moment-là ces cartes-là, celui qu'on a le moins, je pense que c'est toi. Je suis pas sûr parce que j'ai souvent mis 3 cartes. Ouais, là, juste pour voir. Juste pour voir, tiens. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11. J'en ai 12. Ah, c'est serré. C'est serré.
Mais c'est très sympa, c'est très, mine de rien, il y a une très belle stratégie, une très bonne idée de superposer les cartes et d'avoir des combinaisons différentes, etc. C'est très bien pensé, j'aime beaucoup ce prototype, j'aime beaucoup ce jeu. Et merci, ouais. Et c'est reposant et c'est assez onirique, mine de rien. Oui, je trouve que c'est reposant, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que les gens prennent le temps. Tu vois, ils prennent le temps de. Il n'y a pas de tension. Et même quand on fait speed, bon, le speed il se fait sur le coup, là, d'accord, donc ça booste un petit peu, mais après, hop, ça. Mais je préfère quand même la version cool parce qu'on peut prendre le temps d'observer un petit peu. Ouais. Voilà. Mais merci beaucoup pour cette présentation. C'est moi Est-ce que tu as créé plein de jeux? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as un Facebook, un Instagram, quelque chose pour qu'on te... Non, j'ai pas de. Bon, j'ai créé d'autres jeux, bien sûr. J'ai beaucoup d'autres protos là, chez moi, mais ils sont dans des armoires souvent. Parce qu'en fait, c'est par phase. À certains moments, on arrive, on les présente, puis bon, après, on crée d'autres jeux, donc on en présente d'autres. Et puis, là, bah, ceux qu'on a créés, on les laisse un peu de côté. Des fois, on les ressort, ça dépend. Enfin, c'est un jeu, je suppose que tu crées des jeux aussi. Ouais, un petit peu. Quand on est dedans, on n'est pas ailleurs. Quoi. Donc, c'est difficile de penser à plusieurs jeux en même temps. Donc, du coup, il faut te suivre sur les salons pour savoir ce que tu fais. Alors, je suis pas mal sur les salons, mais il faudrait que j'en emmène, là. Là, de toute façon, je savais que j'aurais pas le temps de. Ouais. Hier soir, j'avais l'intention d'en présenter un, mais j'étais crevé. Ouais. Je suis rentré. Merci bien pour cette présentation. Merci beaucoup. À très bientôt sur le salon, sur un autre salon. Ah oui, j'espère bien. J'espère bien. Et en direct, on vous donne rendez-vous dans quelques instants. On va tester Stickman Dungeon, encore un nouveau jeu sur Octogone. À tout à l'heure.